Ouais, non, je regarde. T'as une ligne qui passe à la. Ouais, par terre, je peux les regarder. Ah, il faut comprendre. Si tu. Mais il faut que tu les rapproches alors. Sinon, ils font pas grand chose. Thank you.
Marion, pour vous, quel est le lien entre le rêve et le processus de création artistique? Alors, le rêve est absolument central. Ce n'est même pas le centre, c'est tout. Parce que lorsque je peins, je peins allongé et j'ai l'impression de dormir et de rêver. Et je peins allongé et très près du tableau, donc je ne vois pas les bords, je suis complètement entourée par mon tableau, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Et quand vous êtes dans cet état, est-ce que ça vous semble un état proche du rêve? Est-ce que vous avez l'impression que vous rêvez en quelque sorte? Lorsque je rêve la nuit, ce qu'on appelle réellement un rêve, j'ai l'impression qu'ils sont plus pâles et que ce sont moins des rêves que mes rêves de peinture. Où je peux aussi rêver éveillé. Je passe mes journées à rêver éveillé. Et ça se transforme en tableau. Mais j'ai aussi appris à rêver. Parce que lorsque j'avais 18 ans, je me demandais comment il fallait peindre. Et je m'asseyais sur un fauteuil. Et je faisais des exercices à moi-même. Je me disais, je claquais des doigts. Et lorsque je claquais des doigts, il fallait que je voie quelque chose. Et je me forçais à voir quelque chose. Je faisais. Et ça faisait complètement très simple, c'était un chien, clac, un chien, une lune. Et je me suis tellement exercée à faire cet exercice que maintenant je n'ai plus besoin de claquer les doigts et dès que je suis seule je vois constamment des choses. Si je pose mon regard pendant 2 minutes, je vois les choses voler. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui volent dans mon travail. Mais à la base, c'était un exercice de rêve, en fait, un exercice d'imagination. Pour ce tableau, je savais que je voulais faire un œuf avec cet arbre qui contient la nourriture du monde sur les branches, et je savais qu'il y aurait trois sphères, la sphère humaine, la sphère animale et la sphère céleste, et la sphère végétale. Mais à l'intérieur des sphères, comme je peins allongée et que je suis très près et que j'ai l'impression de dormir, je ne sais pas du tout ce que je fais. Je ne pourrais pas dire qui est ce personnage, que fait cet animal. Je n'en sais absolument rien. C'est après avoir terminé le tableau que je me réinvente des histoires, ou que j'interprète mon travail, ou que j'interprète mes rêves. Je me suis réveillée un matin avec dans la tête le nom de Leonard Lim, ou Leonard Lim. Et j'ai voulu dessiner ce personnage. Et je l'ai dessiné, et il revient dans tous mes tableaux. Et c'est ce personnage qui est chaud et qui est toujours habillé de la même manière, avec un pantalon à carreaux et des rayures sur le haut. Et il est absolument partout. Il était tellement présent que j'ai repris son nom. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est lui qui dessine. Et que ce ne sont pas mes expositions, mais ce sont ses expositions. Voilà. Et là, on le voit par exemple, parce qu'il passe d'un tableau à l'autre, et ce sont ses histoires. Là, on le voit jouer de l'orgue, et c'est Leonard Lim, mais c'est aussi Jean-Sébastien Bach. C'est comme un fantôme, cet homme. Et il joue un prélude de Bach, et sa musique attire une foule de personnages dans son dos. Et c'est comme une fugue, parce qu'il y a... Ouais. Voilà.
Le concept est original puisque Leonard Lamb, à la base, est une création, un personnage que s'est approprié son créateur et dont il a même pris le nom. Cette exposition qui présente des peintures à l'huile, des dessins, des aquarelles et des marionnettes est une annonce du spectacle qui vous sera proposé le 13 mai prochain au Théâtre des Feuillants. On écoute tout de suite de quoi il s'agit. Nous sommes aujourd'hui dans la ferronnerie où vous exposez donc des tableaux, des créations. Alors, j'aimerais tout d'abord savoir qui est Leonard Lamb. Alors, Leonard Lamb, c'est un personnage qui apparaît partout, dans tous les tableaux, et qui a sauté du tableau, qui est sorti du tableau et qui est arrivé sur scène. Il est chauve, il est habillé de noir et blanc, et c'est une sorte de spermatozoïde qui traverse la nuit. Il évolue souvent devant un fond noir. Et donc il évolue dans un monde complètement parallèle au nôtre, en fait. Non, il traverse notre monde, mais il a la tête vide. Quelquefois, il est représenté portant sa tête dans ses mains. On peut dire qu'il a souvent les yeux fermés, il dort. Alors qu'est-ce qu'il représente exactement ? Il représente le mouvement, la traversée, la souplesse. Oui, parce que vous me disiez que le travail qu'on voit exposé ici aujourd'hui vous a pris presque des années à mettre en place. Donc il y a de la peinture à l'huile, il y a des marionnettes. D'où vous est venue cette idée ? D'où c'est parti ? Ça vient de... C'est un personnage qui est venu sous ma plume et je lui ai donné un nom. Un nom anglais. Leonard Lamb. Leonard vient du mot lion et Lamb, c'est l'agneau. Et qu'est-ce qui vous a influencé alors ? Parce que j'ai pu voir qu'il y a par exemple Bach ou même William Blake, donc il y a la musique, il y a l'écriture, la poésie, tout ça se rejoint pour créer cet univers, quoi. Oui, oui, la musique est omniprésente, je peins en musique. Parce que je lis la Bible hébraïque. Et donc la religion vous inspire alors ? La Bible. La Bible. Ok. Oui, je pense que le rêve, c'est un muscle. C'est comme j'essaie d'avoir plus de courage. Et je me suis dit que le courage, c'est un muscle. Et que le rêve, ce serait aussi un muscle pour moi. Donc il fallait que je m'entraîne. Et lorsque j'avais 20 ans, je faisais des exercices pour gonfler le rêve. Et maintenant, c'est devenu tout à fait naturel. Et je n'aurais pas assez d'une vie pour rêver. Et je n'ai jamais de moment de blanc dans les rêves. Ils viennent à profusion. Mmh. Ouais. Merci beaucoup, Marie. La cagole. C'est ce que tu me dis quand tu commences. Avec ça y est, j'ai commencé. Un peu de léopard. Tolka детские книги читать. Tolka детские думы лелеять. Всё большое далёко развеять. Из глупой печали восстать. Я от жизни смертельно устал. Ничего от неё не приемлю. Но люблю мою бедную землю. От нее не видел. Я качался в далеком саду на простой деревянный качель. И высокие темные ели вспоминаю в туманном бреду.